va te les appeler, moi, tu vas voir. Non, mais Skynet, là. Des erreurs après erreurs, moi, je t'en ai, là. Perdre un numéro, c'est bien long, ça. J'espère de pas faire une faute là-dessus, pour recommencer ça, ça me tente pas, là. Hey, qui le cadre, c'est pas moi, certain. Oh, ça sonne. C'est déjà un bon début. Au moins, ça qui fonctionne bien là-bas, ça sonne. Non, moi, tu l'as dit en fait. Oui, 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 Skynet, est-ce que je parle au grand patron? Oui, bon, ils m'ont mis sur hold. Fun, fun. Mon petite musique plate, ça. Yeah, ça a du goût, pareil. Hey, c'est pas moi, Cab. C'est eux autres qui font les erreurs de pas envoyer le bon robot à la bonne personne. Moi, là, j'étais carré à ta barouette. Moi, là, j'ai un peu de place, moi, tu vois. Hey, pas un Cab. Je suis pas une adresse, je parle de ta taille. Oui! Oui, bon, écoutez. Écoutez, vous avez envoyé un robot, là. Il s'appelle le Terminator. Ouais, il vient du futur, là. Puis il est arrivé du futur, puis il vient dans notre présent pour venir protéger un gars qui apparemment s'appellerait John Connor d'un autre robot qui s'appelle le K-Cav. Non, monsieur, je suis pas en train de vous insulter, c'est ça le nom du robot. Hein? Vraiment, dans le futur, on pensait que vous donniez des meilleurs noms à vos robots, là, tu sais, genre, je sais pas, mais comme le Violateur, ou le B32, ou Méchant Robot qui tue du monde. Ben non, le T-Cav et Terminator, winner. Ben oui. Anyways, problème là-dedans, c'est que le robot que vous avez envoyé, il me protège moi. Puis moi, mon nom, c'est J.F.U.L. Donc, il protège pas le bon gars partout, là. Hein, on comprend ça, là? Oui? Non, oui? Avez-vous des problèmes de manufacture là-bas? C'est-tu tous vos robots qui sont détraqués mentalement? Vraiment? C'est-tu la puce dans son cerveau là, qui fonctionne pas? Coudonc! Non, excusez-moi. C'est parce que c'est le deuxième robot que vous envoyez, puis c'est le deuxième qui a pas le bon gars. À Skynet, quoi, les employés font ça à job à moitié? Il y a un sentiment quelque part? C'est pas capable de vous conformer la volonté de John Connor. Non, ça y est pas. Skynet, ça se situe où, ça? On vous le dit pas. Est-ce que les robots sont faits en Chine? Non, vous n'êtes pas de la Chine? Non. Les employés, eux, sont payés au salaire minimum pour faire une job de poche de même. Parce que ces robots-là, là, ils sont comme montés comme des meubles IKEA. Ça fait dur. Ça dure pas, ça casse à tout, là. C'est-tu la torture, vous l'avez faite, là? Hein? Vous les fouettez-vous quelque chose? Non, absolument pas. On devrait faire ça. Écoutez, on se calme, là. Hey, c'est moi qui plaît, là. En tout cas, tout ça pour vous dire, avez-vous une adresse de retour? Parce que moi, j'aimerais bien ça vous le retourner. Il est défectueux, là. Hein? Fait que donnez-moi votre adresse, là, puis je vous le ship au plus maudit. Puis, by the way, vous me devez une nouvelle télévision, hein? Je suis pas sur le téléphone avec Skynet, le mec. Skynet, hey! Mon téléphone, mais fais pas ça! Vous avez divulgué trop d'informations à Skynet. Ils vont retracer l'appel et envoyer le T-Cav, John. Ils retraceront rien, ça en pense que j'habite cette gang de débiles-là dans le futur et ne win, mais puis T-Cav. Pour moi, là, ça, c'est pas vrai. C'est des mots que t'inventes, c'est des fausses croyances, une théorie, ça existe même pas, ce T-Cav. By the way, tu me donnes un nouveau téléphone. C'est quoi l'affaire de tout ce qu'on sait que ça dans l'appartement? Si tu veux que tu payes pour ça, non, c'est moi. Hey, pour moi, il manque un boulon dans le cerveau, une tabarouette. Ça se peut-tu, toi?